Admirez, les amis. Admirez comme c'est beau. Oh, un détournement de catalogue.
Transition magnifique, les amis. Est-ce que vous m'entendez, les petits amis? Je sais pas, j'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. Le son est fort. Baissons le son. Ah, j'ai baissé un peu le son. Ça y est, les voilà, ça y est. Les gens commencent à râler. Ah, on m'entend, nickel. Génial, Dick Freddy. Ah, bonsoir à tous. Bonsoir, le retour de la Rémanta. Oui, elle est peut-être trop forte, non? Elle m'explose les oreilles. Ça fait plaisir, en tout cas. Bonsoir à tous, ça fait plaisir. Le roi du slip, merci, merci d'être là. Si nombreux, si chaleureux. Je ne sais même pas combien on est sur Twitch. Il ne me l'indique pas. Ah, si, peut-être là, je le verrai. 23 personnes. Oh, que c'est magnifique. 23 GX. Ça fait longtemps. Ça fait depuis... on est trop, ouais, on est trop. Ça fait depuis... juillet, c'est ça, qu'on a fait Mewilo avec la présence exceptionnelle de Muriel Tramis, à qui je fais des bisous à Mumu. Bien, il y a du beau monde, il y a du beau monde, il y a beaucoup de personnes. Hein. Je vois qu'on est 26 GX sur le chat Amstrad, 23 sur Twitch. Que vous dire, on va commencer, on se présente, on se connaît pas en fait. Hein, voilà, moi je suis JB le Daron. Je stream depuis bientôt maintenant 3 ans à peu près. Mais bon, au début il n'y avait personne. Et puis j'ai commencé petit à petit début 2015 à streamer de l'Amstrad CPC. Ça remonte déjà 2 ans et demi sur de l'Amstrad CPC. Ça commence à faire. Alors effectivement, l'année dernière, il m'est arrivé une tuile, donc j'ai pas pu beaucoup streamer, malheureusement. Mais cette année, c'est une promesse que je vous fais. Tel Emmanuel Macron qui nous promet, évidemment, plein de choses. Que vous dire? Mais je vais pas promettre comme lui. Je vais essayer de tenir une cadence... pas effréné, mais on va essayer de se retrouver. Vous m'avez en tout cas beaucoup, beaucoup manqué. Beaucoup manqué. Et je salue évidemment les anonymes qui sont là. Évidemment, Amaury, Bédessa Iron, Ben, Chris94, Descartes, Fredouille, Golem13, Grisor, GRS12, MacGyver, Moumoun, Moudubou, Roudoudou, Nuts, évidemment, Ben et Nuts, Omu, Paco Rabanne, Peupeu est là aussi, Ritis, Nurps. Bien sûr, et Sugarbox et Tarodius, la Belgique évidemment, tout le monde est là, mais il y a aussi des gens, il y a Moumoun aussi, Coco sur Twitch, Taro, la Belgique est là, qui c'est que j'ai vu, il y en avait d'autres, Shoryu80 bien sûr, j'ai vu Roland the Haters aussi qui est arrivé aussi. Tenir une fréquence, un stream par trimestre, non, on va essayer d'en faire un peu plus. Plus reste à placer Hollande et Chirac. Une nouvelle, oui, évidemment, des bisous aux filles, évidemment, les filles du stream. Antoine Daron, Antoine Daniel, Antoine Daron, bisous à Antoine Daniel, évidemment. Clyde Vanilla, voilà, respect. Donc c'est qui, c'est quoi, Saint-Année 971, mais tu dois être des dom-tom, toi, mais écoute, salut à toi. Voilà, donc évidemment, alors bisous à une autre Pauline, évidemment, future maman, des gros bisous, évidemment, à Nadège, à Vanessa, à Dilou, à Elena, à Hélène, voilà, des bisous aux filles, évidemment, si j'oublie des filles, dites-le moi, mais je pense qu'on a fait le tour. Voilà, nanana, tu as placé Macron, voilà, c'est ça. Voilà, évidemment, une pensée émue pour Jean Rochefort, voilà, et signer la pétition contre sa mort. Moi, je l'ai signée. Que vous dire de plus? Bah voilà, on va parler un petit quart d'heure, évidemment. On est entre nous, prenez un siège, prenez un verre.
Vous êtes chez le daron et on se sent bien. Et Juliette, voilà, Moumoun, tu nous mets évidemment un truc en privé, mais tout le monde le verra, c'est ça qui est magique avec le daron, c'est qu'on ne se fait pas de secret, il n'y a pas de chichi, c'est transparent chez nous. Voilà. Alors, j'ai voulu au début me faire un petit... parce que le daron, évidemment, investit pour vous, hein, cette nouvelle saison, et ça va être du plus bel effet avec une autre chanson qui vient de démarrer, je l'entends, mais on va mettre le petit... pas Bonhomme en mousse, mais la petite chanson du Raymanta. Salut à toi, AST, tu es en retard, mais non, tu sais très bien que je parle. Il manque MacGyver dans les filles. Oui, bisous à MacGyver, la fille, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai investi dans un fond vert qui est derrière moi, ici. Malheureusement, j'ai pas encore trouvé les fixations, je l'ai reçu que hier. Donc, je voulais faire une espèce d'incruste, mais je reste peut-être fidèle, comme Dame-Dame, et des bisous à Dame-Dame, fidèle à la team décor, hein, c'est peut-être mieux le décor qu'une incrustation. Mettez sur Twitter, envoyez un SMS si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. SN Crack, bisous Sylvain, un petit coucou, bah, écoute, ça fait toujours plaisir, les gens sont là, les gens sont présents, les fidèles, parmi les fidèles, il manque plus que GX en fait. Voilà, bah écoutez... Ce soir, j'avais envie de démarrer cette saison avec un jeu qui me tient à cœur. D'ailleurs, j'ai même pas sorti mon truc pour me la péter. Je vais vous la sortir. Attendez, bougez pas. Je vais pas bien loin. Voilà. Alors, il s'agit évidemment de Orion Prime. Voici le jeu, le vrai jeu, hein. Nous sommes, nous participons évidemment nous avons participé à cette belle aventure. La version disquette 3 pouces et demi avec un bout de journal super bien fait, un petit bout de notice, un petit bout de microfilm, le petit CD aussi qui est derrière avec des audiologues, très sympa. Voilà, magnifique packaging. Alors, MacGyver, arrête de balancer des liens... Amazon, parce que ça fout en l'air le chat. Alors je vire à chaque fois tes trucs. Ah, il veut pas. Voilà, merci. Voilà, donc jolie boîte, joli packaging. Joli truc maintenant un petit peu collector. Voilà, donc Orion Prime ce soir, jeu Cargo Soft. Julien Nevo représente, hein, Targan pour les intimes. Bon, qui n'est pas là ce soir, hein, mais parce que je ne l'ai pas sollicité, mais je pense qu'il se serait fait un plaisir de venir. Donc je sortis en 2009 sur Amstrad CPC. Eh oui, des jeux sortent encore sur Amstrad CPC. Et que dire sur Orion Prime si ce n'est le plus, pour moi, le meilleur jeu d'aventure, en tout cas. Si c'était le meilleur jeu, peut-être. Mais meilleur jeu d'aventure. En tout cas, un des meilleurs jeux global, mais pour moi, le meilleur jeu d'aventure sorti sur Amstrad. Voilà, jeu tellement complet, tellement beau, tellement... 30 GX pour la folie, voilà, bah bienvenue à tous. Sympa la boîte de jeu, ouais. Alors, ce jeu est sorti donc en 2009, donc je me souviens l'avoir acheté en 2009, 2010 peut-être, je sais plus, dans 2009. Et y avoir joué un tout petit peu, mais après, avec la vie de famille qui commençait, hein, j'étais tout jeune papa, donc j'ai laissé tomber. Donc j'ai pas beaucoup... commencer le jeu, donc ce qui fait qu'en fait on va repartir à zéro, je vais être un peu vierge, une jolie pucelle sur ce jeu d'aventure magnifique. Alors ça va peut-être être une épopée, on verra bien, j'ai vraiment envie de me le faire, et évidemment, vous me connaissez, mais pour ceux qui me connaissent pas, sans solution. Et là-dessus je vais préciser aussi quelque chose de très important, j'ai avec moi une armée de modérateurs, ça va être, je ne sais pas, par exemple, Comenor, Descartes, MacGyver. Au moindre spoil, mais vous allez être banni, mais à vie. Grillé. Aucun spoil. Je ne tolérerai aucun spoil. Vous savez comme je suis là-dessus, très exigeant. Alors, je me rappelle un peu comment... Merci Mac, il refait des boîtes pour nous. Ah, mais ça cause de je sais pas quoi, là. Je me rappelle qu'il ait fait une précommande. Mais je sais pas combien de jeux, effectivement, ils ont vendu. Parce qu'ils ont sorti une version donc pour disquette 3 pouces et demi, où il y a une seule disquette, et donc là, où il n'y a pas du tout de changement de face. Hein, il fait directement son truc.
Et sinon, il y a une version de disquette 3 pouces. Alors, je sais que beaucoup, à l'époque, de collectionneurs, entre guillemets, avaient acheté les deux versions. D'ailleurs, ça avait un peu agacé, je crois, les concepteurs du jeu. Ah, donc voilà, ça spoil. Ben, voilà, ça veut spoiler, mais on connaît pas le jeu. Oui, mais alors, la solution se trouve sur Internet. Voilà. Sur le site d'Orion Prime, il y a un site dédié sur Orion Prime. Si vous tapez Orion Prime sur Google, on vous donne quelques indices. C'est tout. T'as pas les mêmes modos sur Twitch, ça peut spoiler. Ah oui, sur Twitch, j'ai pas réglé sur Twitch. Mince, bah du coup, je regarderai pas Twitch, alors. Alors, sans la solution, il va te falloir 20 streams avant de finir le jeu, t'es malade. Alors, c'est vrai, je pense qu'il va me falloir beaucoup. J'ai vu que Chris94 demandait... c'était faisable en un seul stream, mais pas du tout. C'est un jeu qui est très très long, très très grand et à plusieurs niveaux. Mais bon voilà, ça nous permettra de le découvrir, en tout cas de le redécouvrir un petit peu avec vous. Et puis si vous avez envie de le faire, il y a encore la musique qui vient de se lancer, c'est pas très professionnel, mais c'est pas grave, on s'en fout. Je vais faire mon année là-dessus, peut-être pas, on va varier un peu les plaisirs. Notamment, je vais essayer d'instaurer quelques petits défis. Est-ce que je vous en parle tout de suite? Peut-être, je vais peut-être vous en parler tout de suite d'ailleurs. Je vais vous lancer le défi et après, on lance... Orion Prime. En fait, je vais profiter de lancer le défi maintenant parce que là, il y a du monde. On a à peu près une trentaine, donc ce qui est assez exceptionnel. Je vais quand même vérifier. Ouais, c'est ça. Putain, on est 27, c'est génial. Pas de poils. Oui, Paco, il a sorti deux éditions. Oui, c'est ça. AST, t'es viré. AST, oui, il est viré tout le temps. AST, ouais. J'ai pas les droits admin pour supprimer les coms. Ah, merde. Bon, bah, c'est pas grave. Ça, c'est le vrai daron. Fais pas ton GX. À 105... Le daron en stream final sur la... Ah bah attends. Il y a plusieurs fins aussi, c'est ça qui est assez exceptionnel sur ce jeu. Donc le petit défi. Je vais lancer un petit défi comme il y a eu récemment, vous savez, les trucs, Croco, machin, ou Amiga, bière, d'ailleurs ça a été un fiasco, ça ce truc, il n'y a que Bruno Kukulkan, des bisous d'ailleurs, qui a participé. Je vais lancer un concours... de programmation. Alors, c'est très simple. Je ferai après un truc sur Facebook. Vous verrez bien, d'ailleurs, le groupe Facebook, n'hésitez pas à le rejoindre. Nous sommes presque 1200 membres, mais c'est de la folie. On a des Italiens, des Espagnols, des Belges, enfin, on a tout, quoi. C'est fabuleux, fabuleux. Ce petit concours, en fait, vous faites un programme. Il n'y a pas de thème. Vous faites ce que vous voulez. Le thème, peut-être, ça serait... si, en fait, il y a un thème, c'est... J'ai envie de faire passer un message à quelqu'un. Voilà. Voilà. Mais après, ce que vous voulez. C'est-à-dire, ça peut être, par exemple, comme Descartes, il aime bien, c'est-à-dire prendre une image, le foutre sur Java CPC, le convertir et faire un programme de merde en deux lignes. Un truc en basique, style print, machin, entrée, et puis vous mettez votre message. Si vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un, eh ben ça sera cette occasion. C'est-à-dire que je vais récolter tous vos trucs, peu importe la longueur, peu importe le truc, il y aura une deadline que je fixerai. Et après, dans un live, je vous balancerai. Tu comprends pas le thème. En fait, si vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un, par exemple, je sais pas... Amaury, t'as envie de dire, je sais pas, à Pauline, c'est cool, je t'aime, c'est cool pour le futur, pour la future petite gonzesse, voilà. Donc, même des trucs tout petits, si vous avez envie de faire passer un message, par exemple, je sais pas, Descartes, il a envie de marquer, je sais pas, je ne suis pas digne, j'ai une grosse bite, il tape ça, puis tac, puis il balance son message, ce que vous voulez. Le thème, c'est faire passer un message. Est-ce que je suis assez clair? Est-ce que... Voilà, je pense que... Amaury, il va nous faire un putain de programme. Non, mais faites pas un truc super perfectionné. Ça, si vous voulez. Faites ce que vous voulez. Le truc, c'est que lors de ce stream, je vais prendre tous les programmes et je vais les balancer un par un. Et voilà, on rigolera pendant une soirée à balancer tous les programmes de tous les gens. Voilà. On se marre, quoi. On se marre. Voilà, t'as tout compris. Voilà, alors c'est trop tard, monsieur, c'est complet, désolé, ce sera pas l'heure, mais on se marre. Voilà, n'importe quoi. Voilà, voilà, bonjour, voilà, go to 10, voilà, mais des trucs de merde. Faites planter l'émulateur, ce sera sur l'émulateur, hein, malheureusement. Alors essayez pas de faire trop de choses. Shoryu, quel talent.
Lancer le jeu, faire... Ah putain, ça y est, Shoryu, il commence à spoiler. Il dit que pour lancer le jeu, il faut faire Run Orion. Et il y a un détournement de catalogue. Bonne idée, Paco. Bah voilà. Écoutez, je lance le concours pendant que tout le monde est là. Ah, salut mon général. Golem 13 est là. Salut mon général. Donc, bon, voilà, je lance un petit concours. Je rappelle le thème. Ah, salut tonton, j'avais pas vu que tonton était là. Bisous tonton. Donc le thème, c'est faire passer un message à quelqu'un, ou à une communauté, ou à un truc, si vous avez envie de dire, par exemple, bah je sais pas, moi j'aime pas la Belgique, bah tu mets j'aime pas la Belgique, enfin, ce que tu veux, ce que vous voulez. Voilà. C'est bien, ça vous plaît, ouais. C'est chiant en fait les streams, c'est bien mais c'est chiant, parce que t'as des gens en face de toi, vous êtes quand même une trentaine de personnes, mais j'ai pas de retour. Alors peut-être qu'un Discord, voilà, j'y travaille, un petit Discord. Changement de machine, salut Rude. Ah bah Rude participera au concours. Expliquez-lui le principe du concours programmation. Alors la deadline, je sais pas. Je vois bien un truc fin d'année, style pour Noël, un truc comme ça, histoire que ça vous laisse un peu de temps. On est déjà mi-octobre, ça vous laisse novembre, décembre. Ouais, voilà un truc pour la fin d'année. Alors Noël, je suis pas là. Fin d'année... Ouais, voilà un truc peut-être pour le nouvel an. On se fera peut-être un truc nouvel an. Enfin, avant le nouvel an. Mais un truc peut-être comme ça. Si j'ai le temps. Voilà, un truc vite fait. Salut, Rude. C'est un truc vite fait. Même deux lignes, même trois lignes, même... Je te dis un truc à la... Et la musique se lance. Mais c'est pas grave. Ça fait combien de temps que je parle, là? On parle. Mais... Une demi-heure? Ah, mais non, mais il y a eu l'intro d'Orion Prime qui est très, très longue. Alors, sans moi, je ne sais pas programmer. Ouais, non, mais c'est pas grave. Mais moi, je sais pas programmer. Je vais essayer de faire un truc. Tu sais, print, 10, print, machin, puis tu tapes ton texte. On s'en fout. C'est à la cool. On boira de la bière et puis on mangera des saucisses. Des crêpes saucisses. Comme au Stunfest. Tu vois, fais une image sur CPC. Voilà, tu peux... N'hésitez pas à demander. Toi, même Amaury, il demande. Toi, même Rude. Enfin, il y a des gens... De bonne volonté. Kelter City, salut à toi. Voilà, je vous laisse, je pense, jusqu'à la fin de l'année. Je ferai une annonce sur Facebook, sur Amstrad.eu. Voilà. Évidemment, de gros bisous à Phoenix. Je fais vraiment de gros bisous à lui. Il nous manque aussi. Bientôt à la fin du stream. J'ai un écho de ouf. Ah non, non, le écho, c'est fini. Oh que oui, qui mange... Oh non, qui mange ma saucisse, c'est dégueulasse. Bref, les petits amis... La musique va donc se calmer, hop, d'un coup. Nous allons basculer, évidemment, en scène de jeu. Je vais tout de suite vous épargner ça. Si ça veut bien, voilà. Passer, parce que l'image clip un peu. Et ça doit vous ralentir un peu, ça doit faire un peu dégueulasse en stream. Print, salut, voilà. Faites un print, salut. Alors, on va remettre un peu de zik, parce que... On a l'avantage quand même d'avoir de la zik pendant le jeu. C'est quand même assez... Alors dites-moi si le volume voix, si ça vous va bien. On va se faire des petites lectures aussi. Alors j'ai toujours pas la fibre, hein. Malheureusement je peux pas streamer encore en très grande qualité. J'essaye de faire du local record assez propre. On m'avait reproché que les VOD sur YouTube étaient... on n'arrivait pas à lire le chat, c'est vrai. Mais ça, c'est depuis OBS Studio. Alors, j'ai essayé de faire des réglages, on verra bien. Voilà, essayez, voilà. Je vois que ça cause sur le chat. Parfait le volume. Ah, cool. Merci, Chris. Baisse un peu le volume jeu. Je suis à combien? Je suis à 21. Je vais le mettre à 10, vous allez me dire. C'est vrai qu'après, la musique est un peu redondante. Elle est bien, hein. D'ailleurs, on peut télécharger, si vous voulez, la BO du... La BO du jeu est téléchargeable sur le site officiel d'Orion Prime en format OGG, donc une qualité de dingue. Quand même, les musiques de Julien Nevo, quand même. S'il vous plaît. Alors, en kilos, ça cause, voilà. Qu'est-ce que ça dit? Parfait le bolilarbo. Là, c'est nickel. Nickel. Ouais, mortel. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, alors voilà, c'est donc Orion Prime, hein, c'est marqué en bas, là. Comme ça? Non, comme ça, on va faire comme la météo, en fait, voilà. C'est marqué en dessous, là.
Orion Prime, Cargosoft 2009. Alors, c'est parti. Alors, il y a tout un pitch dans la notice que je ne lis pas parce qu'il y a une préface qui est énorme. Enfin, il y a une préface. On remercie, blablabla. Mais alors, après, il y a toute une histoire que je ne vous lis pas. L'histoire fait bien 4 pages. Alors, dans ce jeu, on peut sauvegarder. C'est parti. Il y a 3 slots de sauvegarde quand on veut. Et recharger la partie quand on veut. Et ça, à l'époque, moi, j'avais pas lu la notice et je me suis retrouvé un peu baisé. Je pensais qu'il fallait laisser tourner l'Amstrad CPC. Vous savez, comme quand on joue à SimCity et qu'on veut gagner de l'argent. C'est un peu comme ça. Vous allez voir, c'est un jeu magnifique. Magnifique. 29GX, le daron qui fait un carton. Bah, écoute, pour une reprise, c'est quand même assez formidable. Alors, j'avais dit au-dessus de 25, je me mets à poil. Là, on va monter un peu le truc. Hein. J'aimerais bien qu'au-dessus de, par exemple, 35, j'enlève un élément de ma physionomie. Style un bras, une tête, ce que vous voulez. Voilà, si on est 35... Alors, les GFX sont magnifiques. Mais des fois, apparemment, la conversion, en fait, des images PC, CPC, des fois, il y a des choses qui pêchent un peu. Vous allez voir. Salut à toi, Sheldon54. Bah, décidément, mais tout le monde est là. La famille, 33 viewers. Non, 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 alors si vous multipliez les fenêtres, ça va pas compter. Hein. Si, voilà, c'est Super Sylvestre pour les transferts, il me semble, effectivement. Voilà. Alors, moi aussi, je l'ai déjà vu en slip, alors s'il vous plaît, un peu de sérieux. Oh. Qui c'est qui a... Moi, ah bah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, on va jouer un petit peu. Jouons, parce qu'après une demi-heure de blabla, jouons. Alors, Home Sweet Home! Voilà la cage à poules dans laquelle vous êtes arrivé jusqu'ici. La qualité des systèmes de navigation et de survie de tout premier ordre tranche avec l'aspect rudimentaire du design et du confort, pour le moins exécrable. Cela dit, c'est grâce aux 150 tonnes de cette ferraille que vous êtes toujours en vie et vous lui en êtes reconnaissant. Donc nous avons, au niveau de l'interface... Alors... On joue à la manette, hein. Moi évidemment, vous savez, j'ai toujours mon petit manche à balai Quickshot for Professional Players, hein, évidemment, ça s'adresse à moi. Ah oui, Extrabec est pas là non plus. Petit joueur JB, comment ça, petit joueur? Mais non, on est combien là? On est 34? Non mais arrêtez, multipliez pas les fenêtres. Ina qui vient plus en soirée, non. Twitch, putain de correcteur, là, là. Ah, il a poney ce soir, Xav, c'est vrai. Alors, donc on bouge, on a un curseur. Faut que je m'y remette, voilà. Donc on a un curseur qui bouge. Et on a, en fait, quand on survole une zone intéressante, vous avez en bas, à gauche, ça vous dit ce que c'est. C'est quand c'est vraiment un élément important sur lequel vous pouvez interagir. Vous avez en bas à droite le PDA. Le PDA, en fait, qui vous permettra... c'est quand même magnifique. Ça change de truc, la musique tourne encore. Enfin, moi qui suis une bite en prog, moi, je trouve ça terrible. Voilà, ça, comment utiliser votre PDA? C'est facile. Utilisez haut et bas pour sélectionner le mail à lire avec Shift ou Contrôle pour naviguer plus rapidement. Utilisez droite et gauche pour sélectionner les catégories de mail, un symbole, nanana. En fait, là-dessus, on va tomber souvent dans ce jeu sur des mails, sur des messages, tout ça, qui nous concernent des fois pas forcément, mais qui contiennent des indices, en fait, pour avancer dans le jeu. Donc, ça sera quand même bien, bien utile. Oui, voilà. Donc, pour le moment, il n'y a rien. C'est le mail OP, New Station, il n'y a rien. Donc, échappe, on revient, évidemment, au truc. Comment ça, Odilou? On n'a pas joué à Mityville. Alors, nous avons... Alors, si je dis pas de conneries... Voilà. Donc, la petite icône qui se trouve à côté, c'est notre inventaire. Et l'inventaire, évidemment, pour le moment, est vide. Donc là, on a une porte. On a une console. Une SNES Mini à 80 boules. Un caisson. Des scanners. Ok, un navigateur, une porte, un placard. Alors moi, je vais dans le placard. Donc, quand on clique avec Fire, on a le choix, en fait, des actions. C'est-à-dire que la croix, bah, on annule. Et là, on regarde avec la loupe. Alors, il s'agit d'un placard high-tech qui possède son propre système de réfrigération. Ce qui lui permet de conserver également les denrées périssables.
Parmi divers objets qui ne vous seront pas utiles ici, vous remarquez vos plus fidèles outils, votre Hacker Boy et votre Repair Kit. Alors, est-ce que je peux les prendre? Oui. Du coup, l'icône s'est débloquée, prendre. Alors vous prenez vos instruments, le Hacker Boy vous permettra, comme son nom l'indique, de hacker les systèmes de sécurité les moins protégés. Le Repair Kit sera utilisé sur un système électrique défectueux afin de le réparer. Alors, Orion Prime est un jeu d'aventure, d'exploration, mais alterne en même temps, j'ai vu Amaury en parler un peu sur le chat d'Amstrad.eu, alterne des phases de mini-jeux. Voilà, ça concerne un petit peu, il y a un peu plus de réflexion, donc ça coupe un peu l'élan au niveau de l'exploration. Mais voilà, il y en a un peu pour tous les goûts. Il y a des phases de combat, ça je l'ai lu dans la notice, pour le moment je l'ai pas encore vu. Ce qui fait que s'il y a des phases de combat, ça veut dire qu'on a des points de vie à gérer. Donc les points de vie peuvent se régénérer très lentement en explorant le truc, mais très lentement. Ou alors il y a une autre façon, mais dans la notice, il nous laisse le découvrir. Et il y a des zones, par contre c'est indiqué dans la notice, il y a des zones radioactives dans le vaisseau qui du coup vont nous faire perdre beaucoup de points de vie. Et ce sera repérable au curseur qui du coup va se brouiller. Ça sera très intéressant. Phase de mini-jeu parfois très pénible. Voilà, c'est ce que nous dit Amaury. Amaury, évidemment, est très objectif. Écoutez-le. À moitié, si ce n'est pas du tout. Mais c'est toujours très intéressant. Voilà, les phases de mini-jeu permettent d'alterner un petit peu pour éviter que ce soit de l'exploration pure. Pour les développeurs, quelle est la particularité graphique de Orion Prime? Ah bah, faudrait... Bah, j'ai pas voulu les emmerder le premier soir. Je voulais pas les faire venir. Paco, Dilou est ici. Ah oui, il y a Dilou. Bisous, Dilou. J'avais pas vu qu'elle était là. Mais les pompes primaires, c'est juste pénible. D'accord, donc le Hacker Boy, c'est marrant et pas trop difficile, mais les pompes primaires, c'est juste pénible. D'accord. Ok. Alors, je vous lis en même temps, évidemment. Hein. Si vous trouvez que je lis pas assez et que je joue pas et que je parle trop, eh bien, écoutez, vous allez sur un autre stream. On est 38 ! Non mais, c'est pas possible. C'est pas possible, j'ai jamais fait autant. Je pense que vous êtes trompés, les gens. Vous êtes en train de regarder, donc, Orion Prime, un jeu Amstrad CPC sorti en 2009, bien sûr. Hein, on se fait un 145 de QI, évidemment. Bisous à Benzou, qui fait aussi des jeux d'aventure, mais pas sur Amstrad CPC. Alors, il y a une particularité, pas de spoil. Oui, pas de spoil. Oui, non, mais ça va. Non, non, il spoile pas. Non, il spoile pas, il spoile pas, Amaury. Vous le savez. Salut Jack GGP. Salut à toi. Et merci de passer. Alors je précise, pas de spoil, s'il vous plaît. Alors, nous avons donc pris notre Hacker Boy, nous avons un navigateur. On peut évidemment le regarder. Alors c'est à partir de cette console que vous pouvez choisir votre destination, calculer votre trajectoire et trouver les plus courts chemins interespace. La console émet un message d'alerte critique. Ah, le choc de l'incident a effacé la carte galactique. Des mémoires dynamiques. Il vous est impossible d'atteindre la moindre planète sans elle. En revanche, ces cartes peuvent être downloadées d'un autre ordinateur. Mm-hmm. Alors qu'est-ce que... Si je fais ça... Non, bon, ça fait rien. Donc on a une porte, mais j'ai pas envie d'y aller tout de suite. J'ai une console là, je vais regarder ce que c'est. Et on peut l'utiliser. D'accord, on a la petite pince. Mais je vais regarder, moi, déjà. Donc, c'est le cœur de votre navette. C'est l'ordinateur qui vous renseigne sur l'état de votre vaisseau, gère les communications vers l'extérieur et contrôle les installations de survie. Je vais pas l'utiliser tout de suite. Je vais regarder le caisson. Alors, c'est un caisson... un caisson cryogénique standard. Difficile à croire que l'on puisse dormir des années en position verticale ou horizontale, comme Michael Jackson. Pourtant, grâce au miracle de la technologie, c'est faisable. Et c'est surtout beaucoup plus économique en place, bien sûr. Ouah, dormir à la verticale comme Gaston Lagaffe aussi, c'est cool ça. Il dispose d'une fonction régénération pour vous sortir des situations de crise. Ah, voilà. Voilà pourquoi. Peut-être. Si jamais on a un petit coup de mou, on peut aller là-dedans. Alors, pète-le. Alors, il y a plus de vie. Pas de poil, putain, non. La vie sans poil, c'est... Ah, ben, je suis d'accord. Le poil, c'est la vie. C'est comme le gras... Qu'est-ce qu'il y a trop longtemps que t'as allumé un CPC, toi? Bon, il est tard. Tu feras la suite une prochaine fois. Mais non! Alors, d'accord. Bon, alors,
D'accord, bon, ok. Vous dites que des conneries. Bon, du coup, je vais pas utiliser mon caisson cryogénique, hein, comme Michael Jackson. Michael! Alors, la console. J'avais rien d'autre. Si, les scanners. Bah, c'est des mains, ça, c'est quoi? Les scanners des différentes parties du corps du dernier utilisateur. Ah, d'accord, donc nous. Ainsi que leur diagnostic. Rassurez-vous, vous étiez sain en sortant du tube. Vous l'êtes probablement déjà beaucoup moins. Ok. Du coup, est-ce que j'utiliserai la console? D'accord. Donc c'est Sorka 4. Veuillez préciser votre requête. Est-ce que je peux faire un diagnostic? Alors, les rapports énergie. Alors, il y a peut-être un peu de blabla, mais bon, c'est. Eh, on est entre nous, hein. On se fait plaisir. Les réservoirs de carburant et les réserves en énergie ont un niveau très faible. Trop pour un décollage immédiat. Et largement insuffisant pour un passage en. Ok. Donc je peux rien faire, quoi. Donc les avaries. Les chocs dus au récent incident spatial ont endommagé la coque et les boucliers thermiques de manière critique. Un passage en hyperespace ou une entrée atmosphérique serait fatale au vaisseau, bien sûr. Le rapport mémoire, les pertes d'énergie ont vidé les mémoires cartographiques. Aucun voyage interstellaire possible. Génial. Bon, bah, du coup, en fait, c'est génial. Donc j'ai une porte ici. On peut donc aller. C'est bien, en fait. Tout est décrit dans la notice, mais... Vous avez quand même une explication de texte à chaque fois. C'est quand même vachement bien. On peut regarder la porte. Hein. La porte ne s'ouvre que si la jonction avec un autre vaisseau est correctement établie. Les indicateurs à droite montrent que tout va bien à ce niveau. La pression de l'autre côté est normale. L'air respirable et la température est de 14 degrés. Ça va, c'est un petit automne. Quoi. Donc, on est pas mal. Quoi. J'aime pas le flipping, ça me pète les yeux et ça apporte souvent pas grand chose. J'aime pas non plus. D'accord. Bon, c'est bien, ça cause un petit peu... Alors, l'émulation est peut-être pas parfaite, hein, général. Normalement, il faut y jouer sur un vrai CPC. Notamment au niveau du son. Il y a le fameux... c'est comment, c'est le truc ESX, là. Ça a été, voilà, vraiment développé pour la toute petite enceinte du 6128. Et ça joue, en fait, avec la fréquence de cette petite membrane qui, du coup, restitue quoi des hauts médiums. Donc c'est vraiment optimisé pour cette petite enceinte là. Et le jeu passe sur un 464, 472 pour les espagnols, un 6128 et même sur les plus. Ça passe. Voilà, c'est vraiment le jeu parfait quoi. C'est bien, en fait vous êtes attentif, c'est parfait. Vous me regardez. Vous êtes très, très studieux. Bon, allez, on va faire la porte. On va aller. Ok. Donc... Alors cet écran-là, on le voit dans la notice. C'est ce qui sert d'exemple, en fait. Le système de décontamination semble mal fonctionner. Au lieu d'un perceptible microparticule anti-radiation désinfectante, c'est un déluge de gaz humidifiant et gelé qui s'abat sur vous. Si vous tombez sur le gars de la maintenance, ça va être sa fête. C'est clair. Alors, ok. Décontamination shower... Donc on a une jolie douche. Ça fait un peu paysage Demolition Man un petit peu. Ouais, sur 464 ça passe. Développé pour le HP dégueu d'un CPC old. Ouais c'est ça, le son est adapté pour la petite enceinte mono. C'est vraiment optimisé pour ça. En fait il y a des fréquences. Bah, Julien Nevo c'est un peu son truc quoi. Il y a des fréquences qui du coup font que le son est meilleur sur cette petite enceinte que par exemple au casque ou en stéréo quoi. C'est vraiment je trouve ça quand même assez chouette hein. C'est du beau boulot, c'est du bel ouvrage quoi. Alors il y a une vitre, ok, d'accord. Il y a un passage. Ah, il y a un passage au sol. Ok, je sens que si je fais pas de carte je vais en chier. Alors, est-ce que je fais une carte? Peut-être. J'ai plus mon petit... Ah si. Et mes feuilles à gros carreaux. Ah, vous me connaissez. Je fais toujours des cartes, moi. Je suis le roi des cartes. Ah, regardez, il y a une carte de quoi, là? C'est une carte... Ah, Devilry! Bisous, Eric Cubizol. La carte de Devilry. Ah, la Solus d'Aventure 1. Oh là là! Ah, les souvenirs, c'est génial. Putain, qu'est-ce qu'on s'éclate. Bon,
Alors, j'ai commencé dans une petite pièce et je suis allé au nord. J'ai marqué début. Voilà. Salut Paco! Salut Lazis! Alors, tu conduis? Ah, tu te connectes au stream. Il fait des cartes ou des cars? Le roi des cars? C'est plutôt les routines disquettes qui font que la musique ne coupe pas pendant que ça. Ouais, bah, c'est ça. Comme dit Amaury, en fait, c'est que la musique ne coupe pas pendant les différents changements d'écran. Notamment quand on va sur le PDA ou quand on change de salle, la musique continue. C'est assez dingue quand même. Hein. Ambiance alien, ouais, je suis d'accord. Alors, moi, je vais regarder la vitre. Alors, bien qu'il soit difficile d'y voir quoi que ce soit, vous distinguez diverses lumières d'ordinateur, mais aucune âme qui vive. Ça sent bon, ça, le vaisseau bien fantôme, mais pas si fantôme que ça. Alors, c'est quoi le panneau? Touche de décontamination. Décontamination, oui, c'est ça. Il semblerait cependant que les deux derniers mots soient de trop. Pourquoi douche? Ah oui, parce qu'on se prend de la truc sur la gueule, en fait. Alors, soi-disant dans la notice, il n'y a pas de truc, vous savez, comme dans les fois certains jeux d'aventure, de point and click, où des fois les objets ressemblent à 3 pixels, et où c'est horrible à chercher. Normalement, non, c'est pas le cas. C'est-à-dire que là, les trucs sont assez gros quand même pour qu'on puisse passer dessus et voir apparaître le nom. Ah oui, à l'époque, ouais. Donc c'est 2000, 2009, ouais. Eh oui. Alors depuis, Cargosoft a fait le Mahjong, hein, si je ne m'abuse. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres prods. Mais je crois qu'il y a eu le Mahjong. Alors, il y a le passage. Je vais quand même regarder ce que c'est que le passage. Ah, on peut y aller. Ah, je me tâte. Hein. Je sais pas. Hein. Putain, mais je reviens pas. On était 38. C'est dingue. C'est Paco qui t'a bien pris. C'est dégueulasse. Ça spoile pas, mais alors putain, qu'est-ce que c'est grave, le... C'est bien. Ça me manquait, oui, ça me manquait. Ah, le passage, la porte. Ah, je vais dans la porte. Je vais regarder la porte déjà. Je préfère, hein, parce que la porte nous donne quelques indications. Cette porte est censée bloquer les intrusions ou les personnes n'ayant pas passé la décontamination avec succès. Avec la dose reçue, le capteur détecte votre présence sur plus de 3 mètres au moins. Le passage est libre. Ok. Allez, j'y vais. Donc là, j'étais en fait dans la décontamination. Donc je vais me faire un petit dessin, une douche. Voilà. On va faire comme Mister MV, des bisous, et on va faire des petits dessins sur la carte. Alors vous arrivez dans ce... Non, putain, j'ai du mal à lire. Dans ce qui semble être un barrage de sécurité. Avant de passer, il va falloir montrer patte blanche. Cependant, à la vue des traces de combat au sol et au mur, il se peut qu'il n'y ait plus personne pour tirer la chevillette. Ok. Donc il y a des traces de lutte. Ce sont des screens en fait, ouais, transférés, faits sur PC, transférés et retouchés pour ces PC. Ah oui, il y a même du sang là, c'est du blood. Il y a du blood de partout. Alors les marques, qu'est-ce qu'il dit les marques? Trace laissée par une créature vivante ou un gros calibre. Vous ne sauriez le dire. Vous aimeriez qu'une troisième possibilité existe, mais vous avez passé l'âge de la crédulité. Le fameux âge de la crédulité. Il y a une porte ici, il y a des traces de lutte encore en haut-dessus, là, et on a quoi? Une tourelle. Ouais. Donc, je vais regarder la tourelle. Donc si j'ai une tourelle, ok, donc c'est un truc complètement défoncé. Habituellement, ce genre d'engin vous déchiquette. Un homme en 2 secondes, grâce à son calibre 26. La pensée qu'il existe dans ce vaisseau une force capable voilà, de le détruire vous fait frémir. Voilà. Donc là, on commence déjà à faire dans le froc. Alors, c'est plus joli sur un vrai CPC. Bien sûr, ce jeu, faut vraiment y jouer sur un vrai CPC. Alors, il faut qu'on fasse des tests avec l'ami MacGyver. Je sais pas si on devait les faire, mais avec un appareil photo. On va essayer de prendre en fait l'écran du CPC et de régler en fait la vitesse pour pas avoir déjà le balayage et d'essayer de choper vraiment un vrai CPC. Ça, c'est toujours ma quête de streamer du vrai CPC, pas un émulateur. Franchement, l'émulateur, c'est bien, mais c'est pratique parce que je peux capturer ma fenêtre, mais c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Moi, j'ai vraiment envie de streamer la vraie machine.
Alors, qu'est-ce que ça dit? Je crois qu'elle avait un mode spécial pour la flashouille. Ok. Alors, donc déjà, là, on commence à faire caca dans le pantalon. Alors, il y a un passage. Il y a encore un passage. Mais ça fait que ça, en fait. Il n'y a que des passages. Alors, j'ai une porte et une porte. Ok, donc là, on arrive, en fait, à deux portes. C'est-à-dire qu'on est dans ici avec la tourelle. Donc, je vais faire une petite tourelle comme... comme Army Moves. Pas Army Moves. Le jeu où il y a le petit soldat, là. Avec les missions, là, que j'adore. Pas Green Beret. Airborne Ranger, voilà. Cherchez le nom. Donc, j'ai une porte qui est là. Et une porte qui est là. D'accord. Moi, j'ai... Avant, quand même, de fouiller tout ça, de prendre des passages bizarres, je vais prendre les portes, quand même. Ah, là, je peux pas regarder. D'accord. Donc, j'y vais. Le système d'ouverture de la porte semble bloqué. Avec un peu de force, ça devrait s'ouvrir tout seul. Ok, donc je peux utiliser... Alors vous forcez de tous vos muscles et sentez la porte coulisser. Alors vous ne vous êtes jamais senti aussi puissant. Génial. Bon, on y va alors. Alors grâce à votre puissance musculaire, le passage est maintenant libre. Génial. On peut y aller. C'est quand même terrible le changement d'écran avec la musique qui continue, quoi. On est sur un Amstrad CPC, hein, je vous le rappelle. Salut Maître Joe JJP. Ah mais c'est pas grave, la VOD tu rattraperas, t'inquiète. Intéressant mood. Puis en photo c'est regardable au moins. Alors de filmer un écran de CPC avec un réflexe qui possède un live view, voilà c'est ça. Alors moi du coup avec le Canon j'ai le live view donc faudrait qu'on essaye en fait. Non mais c'est pas les photos hein, c'est vraiment le... Filmer en fait, streamer en live. Ah bah si Rude a fait quelque chose, il faut voir. Toujours le souci, toujours la pureté, vous savez les amis. C'est comme ranger des câbles, on range pas des câbles n'importe comment, on met un petit truc autour. Hein. On n'embobine pas les fils comme des bourrins. Là pareil, je veux streamer quelque chose de pur, la vraie machine. Et vous me savez, vous le savez, vous me connaissez. Attends, on est 35, mais c'est dingue! Il est 11h du soir! Alors, vous pénétrez dans ce qui semble être un poste de sécurité. Les lumières sont tamisées, mais le moindre recoin regorge de voyants clignotants et d'écrans en tout genre. Derrière la grande vitre incassable se situe la chambre de... de décontamination. Que les membres de la sécurité devaient surveiller avec zèle. Ok, donc là, on est... La douche. Enfin, la douche, non. On est... Alors, je vais faire des petits sièges, comme ça. Ok. Très bien. Avec zèle. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une autre porte. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un ordinateur. Une porte. Donc, c'est tout ce qu'on a, en fait. On a l'ordi. C'est ça, il y a l'ordi, c'est tout. Il y a un ordinateur. Ok. Il n'y a pas de passage, pas d'objet. Non, je fais un peu le tour de la carte. Là, il y a un truc, là, mais je pense pas. Non, il n'y a rien. Il y a des fois des choses, on pense, hein, mais non. Alors, l'ordinateur. On peut, donc, évidemment, le regarder, l'utiliser, ou alors il y a une nouvelle icône. C'est-à-dire que là, on peut utiliser un objet. C'est-à-dire que dès l'instant où on aura quelque chose dans notre inventaire, il suffira de le sélectionner et ensuite de faire utiliser objet. C'est-à-dire qu'on utilisera l'objet de l'inventaire sur l'objet qu'on a sélectionné. Ah oui, Daron, nous vous connaissons, bien sûr. Mais vous me connaissez. Vous me connaissez, vous le savez. Vous savez, Omar Sharif, les courses, c'est ma grande passion. J'avais pas vu 2009. Ah, on aurait eu ça à l'époque, ça aurait été super classe. Hein. La tasse. Non, c'est pas une tasse. Alors, je vais le regarder déjà. Alors, cet ordinateur semble contrôler les systèmes environnants. De manière à réagir aux éventuels visiteurs non désirés, apparemment, ça n'a pas été suffisant. Oui, donc on suppose que des gens sont rentrés là-dedans et ont foutu le dawa. Alors, c'est le fameux Securitron V12.6.1. Voilà, veuillez insérer votre carte d'identification. Voilà, donc 2528, sûrement l'année. Ok, donc là, il n'y a rien. Et puis, de toute façon, je peux rien utiliser parce que... J'ai mon Hacker Boy et mon Reaper Kit. D'ailleurs, vous voyez, on a accès directement. Je pensais pas que ça allait marcher comme ça. Quand on fait utiliser objet, on a accès aux objets de notre inventaire directement. Alors, le Hacker Boy...
Curboy, vont devoir. Alors, créer un lien entre les deux pôles du hacker sans que ceux du firewall ne soient liés. Oh, le joli jeu. D'accord. Alors, comment ça marche? D'accord. D'accord. Ah oui, oui, oui. Ok. Ah, ouais, moi, je sais pas si je vais y arriver. Ah oui, d'accord, ça marche aussi dans l'autre sens, bien sûr. Waouh, génial! Bah, pff, ok, c'est ouais, bah, génial, super. Facile, vous parvenez à vous créer une entrée dans l'ordinateur et vous pouvez ainsi l'utiliser librement. Génial! Oh, je suis un vrai hacker! Je suis au tel. Ah voilà, Moon il est au téléphone. À 11h du soir. Ok, génial. Donc qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux l'utiliser. Ouais, cool. Alors bienvenue, veuillez entrer. Oh putain, des codes à 5 chiffres. Pour déclencher la procédure de votre choix. Telle que décrite par le protocole. Ah, 178B47. Le laisser passer à 38. 38. 38. Du guide de sécurité spatiale. Ah mais j'ai pas le guide. Non, non, j'ai pas le guide. Échappe. J'ai pas le guide. Bon, je vais à la porte. Allez. Il y a une porte par là. Allons-y. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, ma foi, ceci est une porte en double alliage synthétique. Elle est très, très solide. Vous êtes bien content de ne pas l'avoir pour ennemi. Est-ce que je peux y aller? On revient au truc. D'accord, donc c'est la porte qui revient... à la première salle. J'adore ces genres de cartes où tu as l'impression en fait que tu vas à droite, puis en fait, non, tu reviens à gauche. Ouais. C'est bien, c'est bien. Voilà. C'est... les petites subtilités, les gens aiment bien faire ça. D'accord, ok, donc là, ça me va. Je confirme... Overlanders. Ah, je pense que ça doit parler à certains. Je vois AST qui met des petits... un petit smile. Si vous savez des trucs sur le jeu, le développement du jeu, allez-y. S'il y a des petits clins d'œil, mais pas la solution. Parce que là, je vois AST, il pourrait nous dire quelque chose par rapport à ça. Alors, il y a une autre porte, hein, je vais voir l'autre porte. J'en regarde toujours, hein. C'est une porte blindée, double alliage. Alors, rien à dire, hein, de la belle ouvrage. Ah, de la belle ouvrage, tu mets BE2LE. Moon! J'aurais mis BEL. Ok, moi c'est pas grave. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle ne s'ouvrira pas en tapant dessus. Ok. Alors si j'y vais, alors la porte ne s'ouvre malheureusement pas. Probablement. Car vous n'êtes pas autorisé à passer. Alors, rien à faire, c'est bloqué. Et la porte se moque de vos menaces physiques et psychologiques. Obtenir un accès réglementaire s'impose. Alors je confirme Moon, mais tu apprécies, d'accord. Alors dit Landovers. Overlanders, d'accord. C'est juste ça en fait. Ok. Donc je peux pas aller sur cette porte là. Alors j'ai vu qu'il y avait un passage. Qu'est-ce le passage? Quoi? Attends, il y a un passage là. Est-ce que du coup je vais... Attends, 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 attends. Passage, ça me... Fenêtre. Couillère. Alors attends. Ok. Pardon. Le passage là. Ah. En fait tu reviens en arrière. Passage, c'est que tu reviens en arrière. J'ai compris. Porte. D'accord, c'est bon. Ça, je sais pas, Amaury, s'il y a eu une interview de Targan pour parler de logiciels qu'il a utilisé pour créer les écrans. En tout cas, étant donné que ce sera pas la seule session que je ferai sur Orion Prime, j'aimerais beaucoup qu'il soit là, que Targan soit là et que Sylvestre aussi, pour nous parler un peu du jeu. Alors, je suppose qu'il y en a d'autres dans le staff, mais je crois que c'est les deux vraiment principaux, hein, qui ont développé le jeu.
Bon, surtout Targan, évidemment, mais... j'ai pas le staff, mais... Ici, je l'ai, d'ailleurs. J'ai la notice ouverte. Blablabla, voilà, j'ai les crédits. Alors, il y a un peu de programmation additionnelle de Frank Thomasette. Qui est de Lunéville, d'ailleurs, lui. Alors, il y a eu des testeurs, évidemment. Ah ouais, Eric Cubizol a été testeur sur Orion Prime. Bah, écoutez, ok. Donc, il y a eu de la relecture, il y a eu des trades. Oui, donc c'est essentiellement, évidemment, Julien Nevo, donc Targan. Elliot, qui a fait l'illustration de la jaquette et l'intro. Donc, évidemment, Super Sylvestre. Alors, Mathieu Gozante. Je ne connais pas. Qui a fait l'interface du PDA, les mini-jeux arcade, le logo ESX et quelques retouches. Mais alors, évidemment, vous, la scène, vous la connaissez. Voilà, je vous laisse. Il y a un petit décalage, hein, évidemment. Vous savez que dans le stream, il y a toujours un petit décalage. Alors, c'était un magazine d'interview, Pixel Love, ou quelque chose comme ça. Ah, d'accord, Pixel Love. Ok. D'accord. Il y avait donc... Ah, mais oui, dans un Pixel Love, je crois qu'on en parle. Oui, forcément, de toute façon. Si Eric Cubizol a été testeur, forcément que ça a dû retomber dans un Pixel Love. Fatalement. Alors, sur CPC Rules, ouais, ça en cause aussi. D'accord. Alors, Matt Segrim, d'accord. Ok. J'ai du mal, des fois, à remettre vos noms. Ok, donc Matt Segrim. Ok. Ça marche. Alors, continuons le jeu. Hein. Il y a tellement à dire. Il est pas magnifique, ce jeu, ou il est magnifique? Alors, le passage, en fait, voilà. Donc, c'est pour revenir en arrière. Ok, c'est bon, je pige. Donc, maintenant... qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai mon Hacker Boy. J'ai un... Mon truc là, mon kit de réparation là, c'est quoi que j'ai là? Je peux faire un... Ah bah attends, historique, j'ai pas fait historique. Alors début de l'historique, donc le 5 octobre... Une collision pendant l'hyperespace interrompt le voyage entre Days 2 et la Terre. Ouais, réapparition dans l'espace normal, position inconnue au niveau d'un champ d'astéroïdes. Multitude de chocs avec astéroïdes, vaisseau en état critique, éjection recommandée et éjection effectuée. Donc les mecs se sont barrés en fait. Multichoc, donc ça c'était le lendemain. Coque atteinte, court-circuit dans le système, perte de carburant, arrêt des moteurs, dérive dans l'espace, les scanners ne trouvent rien. Aucune communication n'est établie, détection d'un vaisseau de type 7. Aucune information sur le sujet et aucune réponse au signe de détresse. Génial. Procédure d'arrimage acceptée par vaisseau, ouais. Arrimage effectué, et donc là, après, ça a pué. C'est-à-dire que là, il y a des trucs qui sont arrivés dedans, et ça a dû péter, quoi. Je vais essayer de communiquer un petit peu. Alors, aucun signal de retour, la navette se situe probablement dans une zone éloignée des réseaux interstellaires usuels. De plus, le vaisseau auquel vous êtes actuellement connecté ne répond à aucun message lancé. Ok. Donc, décollage, on peut pas. Voilà, c'est impossible pour le moment. Veuillez consulter et diagnostiquer pour quelle raison. Ça, je le sais. 5 sorties. Ok. Donc là, on peut rien faire. Entre 10 et 20 secondes, je faisais le tour des tables. Bref. Continuons. Donc, la porte. Le navigateur. Il n'y a rien, je crois. Non, bon, ça, c'est rien. Le caisson, j'ai pas besoin. Oui, alors, évidemment, nos points de vie se trouvent dans le PDA. Hein, pour ceux qui se posaient la question. Alors, le panneau, on peut faire que le regarder. La vitre, on peut rien faire. La porte, on peut y aller. Alors, je pense qu'il y a peut-être un truc à chercher... Là, il y a les marques, là, il y a le passage, il y a la porte qui veut pas s'ouvrir. Donc, je pense qu'il faut aller là, et il y a un truc à faire ici, je pense. Ah! Log! J'avais pas vu. Je peux prendre les logs. Alors, je peux les regarder, il s'agit...
Ah, d'un message électronique. D'un message électronique. Donc, je l'avais pas vu. Ok. Alors, vous prenez le message. Les logs n'apparaissent pas dans votre inventaire, mais sont stockés dans votre PDA, que vous pouvez consulter en cliquant sur l'icône en bas à droite. Donc, voilà. Génial. Et évidemment, le petit truc disparaît. C'est quand même génial. Oh, Kalidor! Salut Kalilou! Alors, il n'y a pas de Schwarzy, il n'y a pas de Stallone, il n'y a pas de mec avec des torses et de l'huile, désolé. Nous sommes dans un vaisseau spatial, mais je sais que tu aimes les vaisseaux spatiaux, Kalilou. Alors, j'ai le log, donc je vais consulter mon log, hein, PDA. Il y a sûrement des codes. Donc, normalement, il a dû se rajouter. Voilà. À côté. Donc c'est le nouveau code à système d'ouverture. Donc c'est Jenkins, Leroy Jenkins et Rutherford. Salut David. Encore un problème de sécurité. En attendant que ces messieurs les informaticiens se bougent le cul et résolvent ces brèches, je change certains codes. À défaut d'apporter une solution, ça ralentira un peu ces saletés de hackers. Celui de l'ouverture de la porte de sécurité est 15372. Génial. Alors voilà, vous voyez, c'est marqué en dessous. On est vigoureux. C'est un peu comme Sapiens, en fait. On a le cœur, puis après, ça devient un crâne. Non, j'en sais rien. Alors, ça fait déjà 36 minutes que je joue. Il y a le petit compteur à côté. Il y a une petite maison. Et puis, il y a, voilà, c'est marqué PDA AKS 6128. Jolie référence. 1532, c'est Army Move. Oh la vache, les références. Je viens de rentrer du boulot. Super clin d'œil, hein. Génial. Hein. Alors, nous sommes toujours 35. Il y a peut-être que le compteur Twitch déconne. Désolé. Alors, l'ordinateur, bah maintenant qu'on l'a hacké, on va pouvoir s'en servir. Et on va pouvoir rentrer donc 15372. La commande semble fonctionner. Vous entendez un cliquetis dans la pièce à côté. Symbole que le mécanisme d'ouverture est maintenant enclenché. Putain, c'est génial. Alors, de mémoire, je crois que j'étais pas allé aussi loin à l'époque. Alors, c'est dire. Hein. Votre passage est maintenant autorisé, détectant votre présence. La porte coulisse avec respect. Voilà. Avec volontiers. Alors, du coup, je vais au-delà. Vous êtes dans le couloir principal de cet étage, l'éclairage glauque. Et les diverses traces de combat confirment vos soupçons. Il ne fait décidément pas bon vivre dans ce vaisseau. Qu'est-ce qu'ils disent? Il est subjugué par le jeu. Ça va des kilos, il est subjugué par le jeu. Je t'aime, Mac. Ah, génial. De l'amour, toujours de l'amour. J'aime beaucoup, j'aime ça, j'aime. Mais stream, c'est avant tout de l'amour, quoi. C'est l'amour du jeu, l'amour des choses bien faites, tu vois. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y en a marre de se faire tirer dessus et tout ça. Putain, de l'amour. Merde. Alors, donc là, ça pue, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Un cadavre. Ah, putain, ouais, je l'avais reconnu même avant de mettre le curseur dessus. Ah, putain. Ça pue, il y a un cadavre. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, il y a une porte, ok. Donc là, il y a passage sûrement, d'accord. Donc passage, je rappelle, hein, c'est pour repartir en arrière. Donc là, il y a un cadavre, donc je vais pouvoir y aller. Donc on a trois portes. Il y a des caméras de sécurité, j'en vois un peu partout. Et là, il y a des débris. Au sol, je n'ai pas de... Donc oui, donc passage, c'était idiot. C'était pas un passage au sol, c'était le passage arrière. Kalidor Chastarodus. Bon, je vais vous laisser, je me rattraperai replay, merci pour le stream. Bah merci à toi Tarodus, des gros bisous et bisous à Eve. Ah, j'ai oublié de saluer Eve évidemment. Bisous à Eve. Bisous mon cœur. Ok. Alors moi je vais voir le cadavre, hein. Je suis pas... Voilà, je suis pas comme ça moi. Alors la vue de ce corps ensanglanté vous fait frissonner. L'homme a vraisemblablement été tué par balle, mais son visage horriblement déformé par un rictus de terreur porte également des marques de griffures et de profondes coupures. C'est dégueulasse. Je peux pas le fouiller, je suis pas un morphale, hein, mais
Je peux pas le fouiller, ok. Alors j'ai trois portes et j'ai quand même une caméra ici. La caméra est hors d'usage, évidemment. Il fut pourtant un temps où elle enregistra le joli massacre qui avait dû se dérouler ici. Curieusement, vous n'éprouvez pas de nostalgie. Non, non. Pas nécessaire. Débris. Alors, il y a un débris, je vais regarder. Ah, il ne reste plus que de la tôle fumante et des fils encore sous tension de ce qui était jadis un système d'aération complexe. Rien de bien intéressant. Ok. Donc, j'ai trois portes. Ouais, je peux bouffer. Non, alors, je pense que pour se régénérer, le seul système, c'est vraiment d'aller, de retourner au début et d'aller dans le caisson cryogénique qui se trouve au début. C'est-à-dire, c'est ce qui était marqué, c'est ça le sous-entendait, en tout cas. Alors, je vais essayer déjà d'aller à gauche. Hein. Pas parce que je porte à gauche, mais on va aller à gauche. Alors, il semblerait que cet endroit soit une zone de transition vers un niveau inférieur, le niveau de maintenance hydraulique. Pourtant, il existe également une issue vers l'étage supérieur, probablement réservée aux techniciens. Donc ici, on a la possibilité d'aller, soit je vais faire une petite échelle pour aller en haut, soit une petite échelle pour aller vers le bas avec des grosses flèches. Des grosses flèches sur ma feuille avec des gros carreaux. Ok. Ça marche, donc la maintenance hydraulique au-dessus, ok, donc ça c'est juste une zone de transition, j'ai un panneau, alors qu'est-ce que j'ai, donc une échelle, et une échelle, ok. Alors j'ai un caisson toujours, bah je fouille un petit peu, là il y a des trucs, il y a des logs, il y a un ordi, ok, il y a du sang, génial. En fait ça s'est pété de partout quoi. Alors, ce serait mentir que de dire qu'il n'y a que du sang. Oh, c'est dégueulasse. Divers organes gélatineux baignent également avec joie. Mais faisons le don d'organes, récupérons ça. L'éclaboussure porte sur chaque paroi de la cage de l'échelle. Il doit y avoir quelque chose de pas net là-dessous. Ouais, bah c'est vraiment dégueulasse. Alors, il y a une caisse. Parmi des babioles sans intérêt, vous trouvez un magnifique tournevis. Qui vous le présentez vous sauvera la vie plus d'une fois. Vous le mettez en poche sans plus attendre. Ok, donc je le prends tout de suite. Ça marche. Alors j'ai un panneau, je vais regarder le panneau. Accès interdit sans autorisation à la vue de la bouille humaine aux alentours de l'échelle. Vous vous dites qu'il est des interdits qu'il faut savoir respecter. Ok, bon moi je vais rester là pour le moment. Je vais regarder un peu ce qu'il y a autour. J'ai un caisson... Alors, un étrange assemblage métallique posé contre le mur et qui tient en équilibre au petit bonheur la chance. Non seulement vous n'en comprenez pas l'utilité, mais vous n'y trouvez rien d'intéressant. Ok. Bon, ça marche. Il y a une échelle. Bon, je vais la laisser, l'échelle, pour le moment. Je vais faire le tour un peu de mon niveau. Ça, c'est pas gentil pour Brigitte Macron. Parce qu'elle ressemble beaucoup à... Patrick Juvet, en fait. Ziski est là, oui, il dort. Ah non, où il dort? Mais non, mais tout le monde est captivé, en fait. 38! Il écoute le cerveau bouffant des moules. Alors, je veux pas interpréter ça mal. Si tu manges des moules, bon appétit. Puis si c'est autre chose, bah c'est autre chose. Bon appétit aussi. Alors, des logs. On va prendre les logs. Alors, je prends les logs. Ok, j'ai un ordi. Je vais lire le log. Donc, dans le PDA, évidemment. Alors. Ah, mais vous voyez pas l'heure à cause du titre du jeu. Bougez pas. Je sais pas où le mettre, le titre du jeu, en fait. Là-haut. Ouais, je vais le mettre là-haut. Ça vous gênera moins. Alors. Paranoïa, nouveau code d'ouverture. Ah d'accord, non, paranoïa. Alors. Donc c'est de Ledeski. Ah, c'est un collègue. Alors, on pourrait savoir ce qui se passe exactement. D'étranges rumeurs circulent depuis quelques temps. Des personnes disparaissent. J'ai vraiment entendu des bruits bizarres cette nuit. Je sens vraiment que les gens ont peur. Il se passe quelque chose d'anormal ici. Ah, j'ai mon truc. Quoi, Saito m'a dit...
avoir aperçu des silhouettes étranges pendant qu'il travaillait au niveau hydro. Ah oh, non, bah, je vais pas aller dans le niveau hydro. Mais comme tout le monde, il met ça sur le dos de la fatigue. Et ce cri que j'ai entendu hier, c'était une hallucination aussi? Et pourquoi on ne peut même plus se rendre librement au laboratoire? Oh putain, ça pue. Ça pue. Ça me donne envie de le faire. Test. Salut Roland Zeiter. Deuxième fois. Je te vois, je te vois. Tête au mu. Ouais, effectivement, ça donne vraiment envie de le faire ce jeu. Ah, tu bouffes de la gelée au piment d'Espelette. Ah, c'est des vrais moules hein, qui viennent de la mer. Ah putain, la classe, tu bouffes des moules. Franchement, un bon app. Hein. Putain, j'ai même pas de bière, quoi. Fais chier, quoi. Tant pis. Alors, ok. Donc là, ça commence à puer. Ah, j'aime pas ça. Moi, la trompette, j'aime pas ça. Ok. Donc là, je l'ai pas lu. Ah oui, on peut, vous voyez, choisir au niveau des messages si on veut mettre un petit point ou une petite enveloppe. Voilà. C'est le petit truc. On fait échappe pour venir, évidemment, au jeu. Donc là, ça pue. Je vais regarder l'ordi. Qu'est-ce qui marque? Cet ordinateur vous a donné de précieuses indications concernant le but des pompes hydrauliques de la station, située à l'étage inférieur. Elles permettent de faire circuler l'eau courante et les liquides de refroidissement dans les différentes zones du vaisseau, mais également d'acheminer du carburant de réservoir principal vers un vaisseau de passage. Pas mal. Est-ce que je peux m'en servir? Vous pensez ravitailler votre vaisseau par cette console, mais l'ordinateur stoppe net votre élan. Pompe primaire non enclenchée, concentration du carburant impossible, tank secondaire non alimenté. Pompe secondaire non enclenchée, alimentation vers pont d'envol impossible. Ok, donc en fait ça pue, le machin fonctionne pas. Donc je vais pas encore aller au niveau inférieur, au niveau supérieur, je vais rester sur ce niveau-là pour déjà visiter tout. Ni nanana, ni nanana. Non, c'est vraiment dingue comme jeu parce que la musique et tout, enfin l'ambiance est vraiment terrible quoi. Mais je le répète, à faire sur un vrai CPC, quoi. C'est d'autant mieux, quoi. Oh la vache, bah, franchement, hein. Bisous à la chérie, évidemment, de Ziss. Ah, on fait des bisous aux filles. Toujours les bisous aux filles. Alors, je vais aller tout droit. Vous arrivez dans le hall de ce niveau. À l'origine, ce devait être un endroit propice à la détente. Pour lire les dernières news ou converser avec une charmante hôtesse. Ah, des filles, toujours des filles. Alors, mais il semblerait que quelque chose ait décidé que le chaos était plus divertissant. Cela vous permet au moins de vivre une aventure hors du commun. Pensez-vous avec philosophie. Ah, on pense toujours avec philosophie. Ah, oh, putain, il y a du sang et tout, c'est dégueu. Il y a l'ascenseur. Ah, il y a un ascenseur. Il y a une plante verte. Il y a une flèche, mais je pense que ça va être le pictogramme de l'ascenseur. Qu'est-ce que c'est ça? Des magazines? Ouais, il y a la lampe là, il y a rien. Il y a un ordi ici, je suppose. Ouais. Encore une plante, ok. Oh, on va fouiller tout ça. Alors, ok, donc là, je suis dans une... Je suis allé tout droit. Et ici, donc, j'ai un ascenseur, donc je vais faire une double porte. Et je vais marquer ascenseur. Ok, ça marche. Ok, mortel. Alors super les graphismes, alors ça tourne évidemment, Kalilou, ça tourne sur toutes les machines. C'est prévu pour tourner sur un 464, un 472, un 6128 évidemment, et aussi sur du plus, et sur certains émulateurs. Alors je rappelle aussi à tout le monde, le jeu est dispo gratos, hein, évidemment, parce que les fameuses précommandes de boîtes de jeux sont finies depuis maintenant, bah, ça fait 8 ans. Ah, ça nous rajeunit pas, hein. Et le jeu est disponible sur CPC Power. Bisous à Bruno Kukulkan. Vous pouvez trouver toutes les versions. Alors, il existe évidemment en français, mais en allemand. Il existe en espagnol, si je dis pas de conneries. Et je crois qu'il existe dans une autre langue. Bon, allemand et espagnol, c'est sûr. Anglais, évidemment. Ah, tiens. Ah, salut Xtrabay. Bisous. Alors, il existe en. Ah non, en version cassette, non. Non, non, il existe en version, comme je disais, moi, la version que j'avais achetée à l'époque, c'était la version 3 pouces et demi. Voilà, avec le microfilm, avec les goodies et tout. D'ailleurs, dans le goodies, je vais vous montrer,
on voit, il y a un montage avec Julien Nevo, Targan. C'est vachement bien fait, hein, une espèce de petit morceau de journal, machin. Donc là, on voit Julien, voilà, il est là. Et là, vous avez une pub, waouh, avec une gonzesse à poil. C'est bien, hein. Donc ça, ça faisait plaisir un petit peu. Donc je répète, le jeu est disponible sur CPC Power. Vous allez sur Google, vous tapez Orion Prime. Et le jeu est disponible en version, soit vous avez toutes les faces. C'est-à-dire qu'il y avait la version 3 pouces, il y avait deux disquettes et donc à chaque fois une face. Donc ça fait 4 fichiers. Ou alors une version sur 3 pouces et demi qui empêchait évidemment de retourner la disquette. Tout se faisait en accès direct. En Espagne, il y avait une loi débile qui voulait que les machines aient ce chaodrome en plus, ouais. Je sais plus pourquoi, c'était par rapport au caractère, je crois. Non, c'était pas ça. C'était soi-disant pour stocker le caractère en plus, le N avec l'accent du dessus, je crois. Eh oui, 472, ouais, tu vois, Kalilou, il te manque un Amstrad CPC. Le 472, c'est un clavier de... Donc, il a 472 kilo-octets de RAM. Et, en fait, il a la touche N avec le petit sigle au-dessus. Évidemment, Turc nous dira... Turc182 nous dira mieux que nous la raison. Loi espagnole, voilà, BDC a raison. Alors, je vois... Je vous lis un petit peu, hein. Blablabla, blablabla. Ok. Alors, donc on a l'ascenseur, on a les plantes, on a du sang, c'est dégueulasse. Alors rien à dire, hein, ils ont bien dû s'éclater, ils ont bien dû s'éclater avant que vous ne veniez. Cela dit, vous êtes content d'avoir raté la fête. Ouais, parce que putain, une fête comme ça, c'est dégueulasse. Magne-toi, ça commence à couler. Alors, bien que votre culture en botanique soit assez limitée, il vous semble que cette plante est un... Waouh. Acultus perennus de Pluton. Pourtant, il n'y a que du gaz sur Pluton. Cela dit, un examen plus poussé, vous en apprendrez davantage. Je peux pas. Ok. Alors, il y a une autre plante. Alors, vous en êtes sûr, il s'agit d'une Syrlope d'Ursule 2. Il est des détails qui ne peuvent échapper à vos sens, aux aguets. Donc, on peut rien faire d'autre. Ok. Donc, il y a des magazines. Je vais regarder les magazines. Ils sont chers les gens de cassette venant d'Espagne, ouais c'est possible. Alors bien qu'il existe encore des magazines papier dits old school, les magazines actuels comme ceux qui se trouvent sur cette table sont auto-updatables et voient ainsi leur contenu changer au fil des mois. Waouh, classe. Bien que vous n'ayez pas le temps de les lire, vous constatez que l'équipe Rasco a encore gagné le championnat galactique de Space Race. Vous regrettez de ne pas avoir parié. On peut imaginer que c'était de l'e-sport. Alors, je pense que les magazines, c'est tous les mêmes. Ouais, c'est ça. C'est tous les mêmes. Ah, il y a un petit log. Je prends le log. Il y a des logs, en fait, disséminés un petit peu partout. On va tout de suite voir dans le PDA ce que ça donne. Bon, je vais streamer jusqu'à minuit, je pense. Hein. Encore une petite demi-heure, et puis après, on va s'arrêter, parce que... Après, ça fait tard. Hein. Mais je continuerai. Après, on va faire un vote. Est-ce que vous voulez continuer? Ouais, envoyer un SMS. Quoi, qui est-ce? Bon alors, lequel d'entre vous est le hacker masqué? Sans rire, je commence à bien l'aimer ce type. Je suis même prêt à lui pardonner l'ouverture des portes des machines à laver en plein essorage. Mais là, oser passer le dernier Rocco Junior en boucle à fond dans le cinéma sans que personne ne puisse le déconnecter pendant 34 heures, c'est du génie. Si c'est l'un de vous, vous regagnez l'estime que vous aviez perdue. Par contre, vous êtes quand même mal barré. La sécu est sur les dents. Je suis bien content de ne plus en faire partie. À un mois près, vous étiez mes ennemis. Donc c'est de Dante. Dante G. Ok. Génial. Alors, sinon, quel intérêt de monter? Oui, erreur. Attaque s'étendue. Un jeu dont vous êtes le héros. Ok. Attends, j'ai pas d'image perdue. Pourtant, j'ai un peu augmenté les... quelques réglages. Pour le moment, ça a l'air d'aller. Je sais pas si de votre côté, vous avez des coupures ou des machins comme ça. Moi, ça a l'air d'aller, en tout cas. Moi, ça va. Et vous, ouais, ça va. Alors. Bon, bah, c'est génial. On a un log. Ça donne pas de code, mais c'est pas grave. Là, ça...
Non, on n'y va pas. Alors, l'ordinateur. Donc, on peut faire quelque chose avec un objet. Ok. Alors, cet ordinateur devait certainement servir à gérer les rendez-vous des voyageurs de passage. Mais il doit sans doute également contenir des informations générales sur ce vaisseau. D'accord, il faut un login. Ok, et eh ben je sais ce que je vais faire. Je vais utiliser... Alors non, pas le tournevis. Mais le Hacker Boy. Il faut créer un lien, évidemment. Donc toujours pareil, hein, entre le hacker... Et... Le... Bah, entre les deux flèches vertes, en fait, hein, simplement. Ouais, dispositif acquis avec succès. Ouais. Alors voilà qui vous laisse perplexe. La protection est plus avancée que prévu. Mais elle dispose d'une faille inespérée. Que vous utilisez avec demi-succès. On ne vous demandera plus de mot de passe. En revanche, vous aurez toujours besoin d'entrer un login. Ah. Ce jeu me tient à cœur, joli. Alors attention, le temps est limité dans le Hacker Boy. Ah, j'avais pas vu. J'avais pas vu que le temps était limité. Pas mal. BDC, tu vas fermer les contrées pour le Sudoku. J'ai pas assez avancé. Ah oui, c'est vrai que Amaury avait laissé libre cours aux gens de faire des petites images pour le Sudoku. C'est vrai que j'avais commencé à le faire, mais j'ai jamais eu le temps de le terminer. Bon, alors du coup, il faut rentrer un login. Ça pue, cette histoire. Parce que si je fais utiliser, il va me demander un login. Alors si je fais JB le daron. Identifiant inconnu. Alors si je mets, par exemple, Dante. Oh la vache! L'ordinateur contient énormément d'informations qui ne vous sont d'aucune utilité. Tels que les plannings, les rendez-vous, la liste des repas, service voici, et les fiches de présence. En revanche, vous mettez le doigt sur des informations concernant le vaisseau. Ah, génial! Alors, c'est l'Orion Prime, classe 7, origine Terre, équipage 281. Le commandant, c'était Russell JD. Le grand JD, d'accord, des bisous. Alors, fonction RD biochimie, RD armement. Ok, départ, le... 2 octobre 1528, Terre. Destination, il allait à Yelet, le satellite de Laoré. Note, destination non atteinte. Bah ouais. État actuel du vaisseau. Alors, carburant 3%, les réacteurs sont coupés. Alors, on a des missiles, 4 missiles. Nord-coréens. Rapport avarie, niveau 3, quarantaine déclenchée. Émanation biologique non répertoriée. Oh putain. Niveau 6, important dégagement radioactif. Ah, c'est vachement important ça. Réacteur instable. Parce qu'ils disent justement que, comme je le disais au début, qu'il y a des endroits où c'est radioactif, et là où vous perdez de la vie, et le curseur vibre en fait, quand vous êtes dans des endroits comme ça, pour que vous puissiez vous manier pour sortir, quoi. Ok. Ah la vache, c'est excellent, il y a 6 niveaux. D'accord, donc là moi je suis au niveau 1. Système hydraulique en dessous, ok. Pont d'envol maintenance, d'accord. Équipement 2, laboratoire 3, 4, 5. Putain, c'est génial, en fait. Là, j'ai tout. Ah, ok. Donc là, en fait, j'ai l'intégralité du truc. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, moi, je suis au niveau 1. Ça, c'est le niveau 1. Et donc, c'est le pont d'envol. Je vais y retourner. Alors, le... Alors, réacteur missile. Alors, ils disent que réacteur missile... Je vais mettre un petit panneau... Ils disent que ça pue, en fait. x4. Par contre, il faut que je fasse gaffe. Alors, c'est le commandement, le niveau 5. Donc, je pense que là où c'est là où il y a les putes, là où il y a les trucs comme ça. Quartier équipage. Ouais, ok. Donc, je pense qu'il y aura plein de morts là-dedans.
Les labos, je pense que là, ça pue. Équipement, là, ça doit être cool, parce qu'il doit y avoir peut-être des armes ou des machins comme ça. Là, on est sur le pont d'envol, donc c'est là où il n'y a rien, en fait. Pont d'envol maintenance. Et les fameux systèmes hydrauliques, où il y a un mec qui dit qu'il a vu une ombre. Et qui dit que c'est la fatigue, mais j'ai pas envie de tomber sur une espèce de truc dégueu. D'accord. Donc les plantes, d'accord, le machin, tout ça. Je vais retourner en arrière parce qu'il y a une porte que j'ai pas faite. La porte à droite. On peut mourir dans le jeu, ouais, on peut mourir, ouais. Parce qu'il y a des phases de combat, c'est ce que je disais en fait. Il y a des phases d'exploration, il y a des phases de combat et des phases de mini-jeu. C'est très très varié. Safe state. Alors, pas safe state, on peut sauver avec. Il y a trois slots de sauvegarde dans le jeu intégrés. Donc c'est quand même vraiment bien, quoi. Vraiment, vraiment bien. Il y a une petite jauge en bas. D'accord. Bah, j'avais pas fait gaffe. Bah, merci de l'info. Je checkerai ça que la prochaine fois que je ferai une espèce de hacker boy. Bon, alors là, on a vu ça. Je vais aller à la porte ici. Alors, si la mécanique semble en bon état, la poignée d'ouverture a souffert d'un forçage raté. Ah, ce qui rend la porte impossible à ouvrir. Bon, alors je peux peut-être y aller avec mon tournevis. Alors cela ne marche pas. Alors j'ai un repair kit. Faut que je regarde ce que c'est. Repair kit. Là j'ai pas de jauge par contre. Si, pareil, il y a une jauge. En bas là, peut-être. Je sais pas. Alors le repair kit, cliquez sur les nodes. Je lis bien, les nodes, afin d'inverser leur polarité. Et de créer une liaison entre les parties gauche et droite du circuit. Alors, on va voir comment ça marche. Ok. J'ai cliqué trois fois un peu au pif, hein. Ben, ça marche. Bien joué. La poignée répond désormais au moindre effleurement. Mais plus important que ces attouchements métallophiles, c'est dégueulasse, la mécanophilie. Il vous est possible d'explorer ce qui se trouve derrière la porte. C'est quand t'aimes baiser avec les voitures. Bon. Ça cause bouffe, c'est bien. Je pense qu'on a dû baisser de public. 34. Ah, vous êtes vraiment assidus, les amis, hein. Les petits amis. Alors, réparquer, tu peux rester dedans jusqu'à devenir fou. D'accord, ok. Ah, mais tu connais vachement bien le jeu, hein, Sainte Année 971. Mais c'est bien, tu me spoiles pas, c'est très bien. Donc je peux y aller maintenant. Génial. Alors cette salle sert vraisemblablement à la maintenance électrique du vaisseau. De par son accès réservé, elle semble avoir été préservée des combats. Tout neuf, quoi. Alors il y a aussi un truc important, c'est que le jeu se bloque lorsque l'on est dans... Les mini-jeux, c'est le hacking, la réparation et la pompe primaire. C'est les trois jeux en fait. Et la pompe primaire, c'est le truc qu'Amaury déteste. Donc j'ai pas encore la pompe primaire. Alors, les combats, donc il y a un chapitre sur les combats dans la notice. Alors voilà, oui, donc les petits trucs dans le PDA. La petite enveloppe, c'est non lu. Et important, c'est les points d'exclamation comme dans une boîte mail classique. Alors, où c'est que j'avais lu que quand on est dans un truc, ça bloque le jeu? Oh, je cherche. J'avais lu en fait qu'il disait quand on est dans un truc, ça bloque le temps du jeu, parce que le temps défile en fait. Oh, je sais plus où c'est indiqué, je l'avais lu en plus. Les mini-jeux, le hacking, la pompe primaire, la philosophie du jeu. Voilà. Non, c'est pas là. Bref, il y a plein de trucs à lire en fait dans la notice qui sont très importants pour comprendre un peu comment le jeu a été pensé en fait. On regardera ça après.
Oui. Alors, donc la salle là qui est un peu propre en fait, on va dire. Faut que je remette dans le jeu. Hop. Il y a un ordi évidemment. Alors là, j'y suis allé. Hop, j'ai une autre salle. Alors j'ai un ordi, un gros ordi là. Avec des grosses touches. Une grosse machine, ma grosse machine. Un gros panneau. Un gros rechargeur. Oh, il y a un log. Hop. Prenons le log. Hop. Prenez le log, vite. Lisons le log dans le PDA. Nouveau venu. L'escale à la Nikkei Station. C'est très bien déroulé. Comme convenu, le professeur Tsutomu. Ah, Tsutomu! Regarde, t'es là-dedans. Éminent chercheur en biologie et en altération de la matière a rejoint nos rangs et j'attends beaucoup de ses connaissances. Nos premières discussions m'ont déjà mis en confiance. Et l'équipe est plus dynamique que jamais. Nous sommes en avance de 5 semaines sur le planning. Nous sentons tous que nos recherches vont porter leurs fruits et qu'une nouvelle page du grand livre des sciences va être tournée grâce à nous. Pierre Belmar. Génial. C'est bien, ça cause Brad Ridley, c'est cool. Alors, j'ai un rechargeur, j'ai la porte, je pense qu'on revient en arrière, parce que là, il n'y a pas de passage. Il y a un ordi, il y a une machine, il y a un panneau. Alors, rechargeur, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ces appareils rechargeurs sont devenus très courants dans les stations spatiales. Ils permettent de recharger les cellules d'énergie usagées en quelques secondes. À cause du dangereux flux d'énergie qu'ils génèrent, ils sont interdits dans les navettes de type B4, AS22. Et inférieur, comme votre capsule par exemple. Ah ouais, d'accord. Alors c'est peut-être pour régénérer. Alors ils disent que c'est quoi, elle marche plus, c'est ça? Pourquoi ils me demandent d'utiliser un objet? Le réparer? Non. Le hacker? Non. Le tournevis? Non, bah, je sais pas, il faut peut-être autre chose alors. Faut peut-être recharger autre chose. C'est pas recharger soi, c'est recharger autre chose. Humotus à l'envers. Ah oui, j'avais pas remarqué, Deki, c'est vachement bien. Hein. J'avais pas remarqué du tout. C'est quoi le panneau? Appareil électrique sensible, évitez donc de faire n'importe quoi. Ouh! Cette dernière remarque n'est pas écrite sur le panneau. Mais je préfère vous prévenir doublement. Ah, ok. Donc en fait, j'aurais mis le tournevis là-dedans. Ça se trouve, je serais mort. Est-ce que... Alors, je vais essayer de sauvegarder. Faut appuyer sur S. La musique se coupe. Et on peut sauvegarder. Oh là, les trois emplacements. Alors, je vais cliquer là. Et la musique repart. D'accord. Ça, c'est génial. Génial. Alors là, il y a une machine. Alors, vous n'avez aucune idée de ce à quoi cette machine au design pourtant exemplaire peut servir. Alors, si vous trouvez, merci de ne le faire savoir. Alors, je peux le réparer. Je peux le hacker. Je peux mettre mon tournevis dedans. Mon gros tournevis. Alors là, il y a un ordinateur. La fonction principale de cet ordinateur consiste à activer ou désactiver le générateur d'énergie primaire censé produire l'énergie suffisante pour les niveaux inférieurs et semblerait-il les ascenseurs. Ah, d'accord. Donc, j'ai pas testé l'ascenseur dans le hall tout au bout, mais ça se trouve, il fonctionne pas. Accès non autorisé, veuillez insérer votre carte de maintenance des systèmes électriques. Alors, je vais quand même aller vérifier par acquis de conscience. L'ascenseur qui fonctionne pas en fait. Essaie de charger avant. Ouais, mais je suis sur émulateur, je sais pas si ça va fonctionner bien. En tout cas, c'est propre. Hein. Alors, si je vais là. Ah, si, je peux aller dans l'ascenseur. L'ascenseur semble encore en bon état et devrait vous permettre d'explorer librement le bâtiment. À droite se trouve affiché l'étage où vous vous situez ainsi que. Le panneau de commande pour changer d'étage
Et à gauche, un écran présentant d'éventuelles informations sur le niveau actuel. D'accord. Tout semble normal derrière cette porte, que ce soit au niveau de la pression, de la température ou de la composition de l'air. Alors que vous tendez votre main vers le boîtier de commande, vous vous rendez compte du message d'erreur qui est indiqué « Énergie insuffisante pour le bon fonctionnement de l'appareil ». Donc, ok. Donc là, on la porte. Et je peux pas revenir en arrière. Ah si, d'accord. Ouais, c'est un peu bizarre en fait. Tu vas vers la porte, mais en fait, tu reviens en arrière. Ok. C'est, j'ai vu une faute, censée. Bon, ok. Je vais voir le coup de l'ascenseur, là, essayer la petite machine. Et puis bon, je pense qu'on va s'arrêter là après, parce que là, ça fait combien de temps, là? Ça fait 1h44. C'est pas mal pour un premier stream. Alors, il y a eu une demi-heure de blabla, mais... Écoutez, en tout cas, c'est... Franchement, c'est vraiment... Moi, j'adore, hein. Alors, le système de sécurité est malheureusement trop élevé pour votre hacker boy. Il va falloir trouver quelque chose de plus réglementaire. Mince. Je peux pas y aller au tournevis? Non. Bon, bah ça commence bien, on commence déjà à être bloqué ici. Donc je pense qu'il va falloir aller dans les autres niveaux. Style le niveau du bas, des trucs comme ça, des trucs qui puent là. C'est là où je suis pas allé, hein. Ouais. Bon, bah on va essayer d'aller par là. Puis après on va arrêter, hein. On aura déjà bien avancé, hein. Alors là, c'est quoi? Ça me donnait quoi, là, les... Voilà, c'est les trucs de... Les pompes. Les fameuses pompes. Alors, je vais aller à... Niveau supérieur, c'est quoi? C'est l'équipement? Oh, je vais essayer d'y aller. Qu'est-ce qu'ils disent? L'échelle monte sur plusieurs dizaines de mètres long d'une étroite cheminée, parsemée de câbles et éclairée par de faibles diodes placées à intervalles réguliers. Oh, ça pue. Je vais quand même essayer d'y aller. Alors malheureusement, votre effort est inutile. Au bout de la montée se trouve une trappe qui semble s'ouvrir que d'un côté. Murphy a décidé que vous n'étiez pas du bon. Génial. Alors est-ce que je peux descendre? Caisse. Panneau. Échelle. Alors... Ça cause un petit peu relecture, ça cause machin. Oh, mais relecture, non. Attends, Extra Bay dit qu'il a relu. Non. Relecture. Non, il a pas relu le jeu. Mais non. Alors, je vais essayer cette échelle-là. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, à peine penchez-vous la tête au-dessus du vide qu'un frisson vous fiche sur place. Il règne une totale obscurité en dessous. Y descendre sans lumière serait un pur suicide. Eh ben, j'y descends pas. Alors du coup, il va falloir trouver des systèmes, hein. Alors, vous pensez à ravitailler, l'ordinateur stoppe l'aide de votre élan. Ah. Est-ce que je peux utiliser mon Hacker Boy? Non, je peux pas. Je peux pas. Bon, il va falloir que je trouve quelque chose. Là-bas. Bref, de toute façon, on va bientôt arrêter. Là, il est moins 10. Je vais juste regarder un peu là. Ah! J'ai vu un truc. Il faut que j'oublie vite. Il faut vite que je l'oublie. Targan Arcos s'est connecté. Alors, salut à toi, Julien. J'avais dit pas de spoil, surtout pas de spoil, je veux faire le jeu sans solution. Alors je vais oublier ce qui a marqué, ce que tu as marqué sur le chat, je vais l'oublier. Je vais masquer comme ça ton message. En tout cas, je suis très honoré que tu sois sur ce stream. Ça me fait très plaisir. Malheureusement, j'allais arrêter. Mais il faut surtout pas me donner la solution, surtout pas, pitié. Alors je sais que c'est une petite solution. Pardon, pardon. C'est pas grave.
J'arrive pas de spoil, ban à vie. Oui, bouh, banni à vie. Méchant. Ça va, je regarde pas. Floudez-moi le chat Twitch. Mettez des conneries, mettez des têtes, des trucs à la con, là. Mettez des capas, allez-y. Faut me flouder, ça. Pourquoi il t'a dit où est la batterie? Il m'a dit un truc, il m'a dit, mais faut que tu retournes là. Ah, faut pas me dire. Floudez-moi ça, bordel. Non, mais de toute façon, j'allais arrêter. Non, pas que sur... C'est sur le chat Twitch. Ah, ça y est, Tetomu, il met... Ah, voilà, des capas. Non, mais y a pas de souci. Y a pas de problème. On fait scroller. Voilà, faites scroller. Voilà, mettez-moi des trucs. Nickel. Merci, les gars. T'inquiète pas, Julien. Y a pas de souci. En tout cas, on ne se connaît pas. Hein. Je suis JB le Daron. Je stream, évidemment, ton jeu. Donc, garde. 8 ans après l'avoir acheté, quand même, hein. Regarde, voilà, je suis de bonne foi, hein. Je ne hack pas, je ne... Ton jeu, je l'ai, regarde, je l'ai. J'ai la version et tout, propre. En tout cas, voilà, grand merci pour ce jeu qui est formidable. Je l'ai commencé, franchement, génial. Voilà, bravo. C'est génial. Mais je sais pas, tu es là depuis combien de temps? Alors, voilà, donc... Le créateur principal de ce jeu est sur le chat Twitch, hein, je le dis pour le chat amstrad.eu qui se trouve juste au-dessus de là, hop. C'est cool de suivre un joueur en live en tout cas. Bah voilà, écoute, ça fait une heure et demie que je joue. Donc du coup, je sais pas depuis combien de temps tu es là. Il y a un petit décalage, hein, avec Twitch. Ah, t'es là depuis une demi-heure. Génial. Bah écoute, tout le monde est là, hein, tu vois, il y a BD Siren qui est là, il y a Roudoudou qui est là, il y a AST qui est là. Il y a à peu près toute la clique. Donc du coup, voilà, je joue en fait à des jeux... alors, généralement, je joue à des jeux qui n'ont pas de solution. Celui-là, évidemment, il y a une solution depuis le temps qu'il est sorti. Mais comme j'expliquais, j'y ai joué donc au tout début quand j'ai acheté le jeu. Et après, bah voilà, j'ai plus le temps de m'y pencher. Et vu que je me remets à faire les streams, donc là, c'est ma rentrée, je me suis dit, attaque, je vais m'attaquer à ce jeu-là. Mais évidemment, sans solution. Je veux faire le jeu à fond. Donc, j'ai réussi quand même à lire ton truc, mais à l'oublier tout de suite. Je n'ai pas vu ce que tu m'as dit. Donc, voilà. Donc, bravo encore. Je compte le refaire, bien sûr, le continuer en tout cas. Je vais sauvegarder. Je vais resauvegarder, en fait, ma partie. Niveau 1, temps joué 1h08, ah, c'est génial. J'adore ce jeu. Alors je vais faire ça, hop. Je peux le réécrire. Non ! Tu le réécris pas, t'as pas le droit. Alors je vais essayer de faire une safe state. Ah oui, tiens, d'ailleurs, depuis le nouveau OBS, il m'affiche les menus, alors je veux pas. Je vais faire une safe state, je sais pas s'il va aimer. Alors, Orion... Prime. Je sais pas s'il va aimer la safe state. Alors je vais l'appeler niveau 1 parce que je suis au niveau 1 enregistré. Bon, écoute, ça a pas l'air de le choquer. Bah merci à toi, hein. Franchement, ça fait plaisir. Du coup, bah ouais, t'arrives un peu vers la fin. Parce que, du coup, je vais arrêter. Alors il devrait faire juste gaffe de bien sauver les 128K. Normalement, oui. Normalement, save. Ah oui, attends, faut peut-être que je mette les 128K. Ok, je le refais. Hop, je le refais, 128K. Hop, c'est bon. C'est bon. J'ai mis 128K dans la safe state. J'avais mis 64 avant, je l'ai mis. Donc voilà, donc, et en fait, il y a des gens sur le chat tabstrat.eu aussi, si tu veux y aller, leur faire un petit coucou. Alors, nous sommes 28, oh bon, on est descendu, on est monté jusqu'à 38 personnes quand même, ça ne m'était jamais arrivé. Quel bonheur magnifique pour ce jeu magnifique, jeu superbe et magnifique, que je continuerai sans solution, sans spoiler. En fait, j'aurais dû marquer, bah regardez, on va le faire ensemble parce que vous savez, on est une famille. Alors regardez ce qu'on va marquer. On va marquer là. Alors pas titre du jeu, hein.
On va marquer no spoil. Spoil, please. Voilà, on va le mettre en plus en anglais parce que on est bilingue, on se la pète. Voilà, no spoil, please. Ah, ça, c'est du stream 2.0. Ou je m'y connais pas. En tout cas, on le continuera. Alors, peut-être pas. Oh, on finit par une chanson, mais je vais pas vous faire une chanson à chaque fois quand même. J'ai rien bossé comme chanson. Je vous ferai un petit générique dessin animé bientôt. J'en prépare un là. Non, là, j'ai rien fait. J'ai rien préparé. On approche des 2 heures de stream. Ça va être une VOD qui chiante. Salut YouTube. La chanson du mardi. Du coup, moi, je suis. Alors, mardi prochain, du coup, moi, je suis en congé, donc je serai pas là. Mais il y a peut-être des chances que des streams sauvages apparaissent comme ça, hop. Et où je continuerai, évidemment, Orion Prime. Comme ça, peut-être dans la semaine. Si c'est pas dans la semaine, ce sera du coup dans 15 jours. Mais après, j'essaierai d'être beaucoup plus régulier, à le faire au moins une fois par semaine. Je veux finir ce jeu. Parce que ce jeu ne m'a que trop résisté. Je pense que il faut absolument le faire. Non, une chanson a cappella, mais non. Non, si je fais une chanson, c'est avec une guitare ou avec le piano. Je fais un truc propre, quoi. Mais là, c'est de la merde. Un morceau de Café Nadar, mais je peux pas. Bref, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce stream. Alors, je vais arrêter le jeu. Je vais me remettre en accueil. Merci à tous d'avoir suivi. Vous avez été très nombreux à suivre. Au moins 38 personnes. C'est fou. C'est fou. C'est dingue. C'est dingue. Je vais continuer ce jeu. C'est une promesse que je vous fais à vous tous. Merci donc à tous d'avoir été présents. Évidemment, aux anonymes, à ST, à BDC Iron, à Ben, à Chris94, à Descartes, Golem13, Grisor, Kalilou, MacGyver, Moumoun, Roudoudou, évidemment, Omu, Paco Rabanne, c'est moi-même, Peupeu qui est là, qui est resté jusqu'au bout, des bisous, Riti, Snurps, Xtrabay, voilà, et puis évidemment, ceux qui sont sur le chat de Twitch, il faut juste que je regarde les spectateurs qui sont... Ah mais attends, si je mets les spectateurs, je vais avoir une flopée. Alors j'ai quoi? J'ai Fagwent, Freddy Sirocco, bah écoutez, bienvenue en tout cas, Coco est là aussi, Moumoun, oui, est là. J'ai un Oli69, j'ai un Oh oui, aimez-moi mon tour Zizi, mais ça c'est notre ami Root. J'ai un Satané971, merci à toi, Shoryu. Targan nous a fait l'honneur de sa présence en fin de stream. Quel honneur. Et Tétomu, merci. Merci, franchement, merci. Et merci, Julien, en tout cas, d'avoir été là. Ça serait cool, la prochaine fois, ouais, qu'on arrive à mieux se caler pour que tu sois là en début de stream, tu vois, par exemple. Alors, il y a un groupe sur Facebook, je rappelle, sur Amstrad.eu. Allez-y, c'est là où j'annonce généralement les streams, plus que sur le site Amstrad.eu. J'ai une chaîne YouTube, si vous voulez y aller, allez-y, des pouces bleus, des pouces machin, faites ce que vous voulez, faites la foutre, mettez des commentaires, allez voir les vidéos, c'est toujours sympa, je finis des jeux, j'arrive à finir des jeux d'aventure, ça m'arrive. Voilà, merci à vous, super jeu Doom, oui, super t-shirt, regardez, magnifique t-shirt Bethesda. Voilà, bah écoutez, je lis un petit peu, non, regarde pas tout le temps, on fait des trucs à côté, sinon c'est trop long, bah oui, c'est sûr, mais c'est ça les streams, c'est que vous m'écoutez, c'est un peu de l'ASMR en fait. C'est des streams tout cool, on joue à des jeux et c'est sympa. Je vous lis en plus les textes, c'est ça qui est cool. Ce sera quand la prochaine fois? Alors comme je disais, peut-être en fin de semaine, j'essaierai. Tu vois, style... après, il y a les copains qui streament, hein, mais peut-être, je sais pas, peut-être vendredi soir ou samedi soir, je verrai bien. Pourquoi pas? Il y a Roudoudou qui stream demain, j'ai vu, c'était dans le planning. Ah non, ça y est plus. Ah non, le 27 octobre. Le 27 octobre, il y a Roudoudou qui stream. C'est marqué dans le planning. Je vous fais évidemment... tiens, parlant Doom, il y a quoi? Cool Kid dessus. Il y a Cool Kid. Cool Kid dessus. Mm-hmm. Dis-moi en plus. Voilà. Bah écoutez, voilà. Merci Targan pour ce jeu. Voilà. Tu vois, tu es aimé, Julien. Tu vois.
C'est voilà, non pas demain. Non pas demain. Oui, je viens de voir ça. J'ai cru que c'était demain, en fait. J'ai cru voir demain, mais je pense que tu as dû l'annuler. Merci Riti pour la belle vie. Riki ou la belle vie. Oui, le seul qui avait des bornes d'arcade partout. Chez lui et un train. Riki ou la belle vie. Enfin, la semaine dernière. Voilà, c'est ça. C'était avant-hier. Ok, la semaine dernière. Ah oui, tu as streamé aussi la semaine dernière. Effectivement. Des bisous à tous. On va se quitter ouais, sur l'intro. Alors, faut que j'enlève les messages, mais on va se faire l'intro comme ça, un peu à l'arrache. Des bisous à tous. Bon, je vous laisse les filles, à bientôt. Merci Paco. Plaisir de te revoir. Mais plaisir partagé. Vous m'aviez vraiment manqué. Ça fait plaisir de retourner sur, voilà, en live avec des superbes jeux comme ça. Voilà, ça va être une épopée. Hein. Je vous garantis. Hein, ça, on va bien le doser ce jeu. Hein. On va essayer de le terminer. À plus les filles, des bisous. Voilà, des bisous à tous. Et bisous aux filles, évidemment. Ah, toujours un plaisir de se faire bercer par ta voix. Mais c'est gentil, Ruth. C'est gentil. Merci pour le live. Mais non, mais merci à vous. Merci, Peupeu, d'être venu chez les dingues. Elle en a du courage. Hein. Et elle est venue. Hein. La seule fille du chat, quand même. Hein. C'était bien cool. Voilà, bah écoutez. On va essayer de se faire ça. Bientôt, ça sera annoncé sur le groupe Facebook. N'hésitez pas, abonnez-vous à Twitch, machin, JB le Daron. Envoyez-moi de l'argent, plein de thunes, argent, argent pourri les gens. À bientôt, et puis bah, on va se remettre sur l'intro. Ah, du coup, je coupe ça, ça fait un petit peu, voilà, un petit peu préparé. Dilou est passé. On va se remettre l'intro, accueil, je sais plus c'est quoi, c'est ça. Bon bah des bisous, et puis bah, à bientôt. Ah, faut que j'enlève ça, regardez. Hop, hop, regardez, c'est propre. Hein. Hop là.